Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Okami. La fois dernière, on était entré dans le sanctuaire du vent, on l'avait nettoyé grâce au vent glorieux. On avait appris le vent glorieux d'un cheval divin. Et aujourd'hui, ça nous ouvre plein de possibilités pour faire tourner les petits moulins qu'il y a là juste devant. Mais avant ça, j'avais encore un feu à éteindre. Donc je vais aller éteindre le feu. Parce qu'on peut faire ça aussi avec le vent glorieux. Éteindre le feu, ce qui est pratique. Au deuxième niveau, c'est ça. Zou. C'était ici. Donc on va bien voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, on fait une petite boucle. Parfait. Et il y a une perle errante. Plutôt une perle useless. Je sais toujours pas à quoi elle sert. Si quelqu'un le sait, j'aimerais beaucoup qu'il me l'indique. Ok, ceci étant fait... on va pouvoir aller faire tourner les petits moulins. Et étant donné qu'il n'y en a que deux, je pense que l'énigme va pas être terriblement compliquée. Surtout si le jeu me dit « Eh, tu peux faire souffler le vent sur les moulins !» Ou plutôt « Eh, va là-bas, regarde !»« Listen !»« Hey, watch out !» Ah, j'ai compris. Tu es sur la bonne voie, Ama. Mais tu fais souffler le vent dans la mauvaise direction. Il faut que tu fasses souffler le vent vers le moulin. Quoi ? Il y a une direction. Genre comme ça. Arrête de jouer, vous deux quoi. Vers le moulin, what ? Genre comme ça. Mais ça va pas faire tourner ses hélices du tout. Apparemment si. D'accord. C'est pas logique. Ou alors c'est moi qui suis pas logique. Pinceau céleste, de précieuses informations écrites par un mystérieux artiste errant. D'accord. Un mystérieux artiste errant qui n'aura aucun rapport avec Ishun, je suis sûr. Je sais pas, Ishun c'est un artiste errant, tout ça, tout ça. Yahoo! Il y a un truc à éteindre ici. Il y a des trucs à éteindre partout. Ça va peut-être prendre un petit moment. Ah non, ça va tout s'éteindre en même temps. Ouch. Pas cool. C'est bon. Un service laqué. Cet objet unique au monde a été créé avec une laque légendaire. D'accord. Le feu, il va se remettre ou il se remet pas? Pas l'impression qu'il se remette. Ah d'accord, je peux pas aller là-bas. Ou plutôt, il faut que j'utilise la liane sacrée ou je sais plus comment ça s'appelle. La peine de faire un gros vent pour ce genre de choses. Bâton d'encre infini, encre à volonté temporairement, ça va être toujours pratique. Enfin, ça sera plutôt pratique pour un boss, je pense. Parce que les autres ennemis ont tendance à mourir un peu vite. Hop. Le feu, il va revenir. Non, le feu n'est pas revenu. Saquer de la volonté, temporairement. La défense, ok, très bien, parfait même. Je vais aller là-bas. Je crois que j'ai raté un coffre, mais peu importe. Nom d'un pinceau. Regarde ce parchemin géant. Il a l'air de danser au rythme du vent que tu as ramené. Mais n'en fais pas trop, sinon le vent va nous emporter. Oh god, je comprends pas trop déjà. D'accord. Donc, il faut que je fasse du vent, mais pas trop. Est-ce que je peux marcher sur la corde? Je vois absolument rien. Comment je fais pour zoomer déjà? Je me souviens plus. Ok. Joli petit fail de ma part. Oh bah, y a un coffre ici. C'était pas vraiment un fail, là c'était plutôt voulu. Une perle, d'accord. Après les perles errantes, les perles tout court. Ils sont tout là-haut. Ah d'accord. Je vois. J'ai compris. En moins de 1 minute. Je suis
tellement fort pour résoudre les énigmes. Alors là, vous avez le droit de m'arrêter parce que dernièrement, j'ai pas été une lumière. Ok. Et voilà. Alors, il faut que je fasse attention à ce que ça ne m'emporte pas, c'est ça? D'accord, je vais mettre le vent dans le bon sens, ça ira mieux. Ok. Ours en bois. Un ours sculpté qui est aussi terrifiant que l'animal original, moi, sauf qu'il est en bois, quoi. Hop. Et go! Voilà. Vous obtenez un charme d'exorcisme, purifie légèrement les ennemis, d'accord. Comme le Biactol, quoi, ça purifie légèrement. Je pense que c'est un peu mieux que le Biactol. Ça me rajeunit pas de parler du Biactol. Je sais même pas si ça existe. Encore. Ça doit exister. Les bouteilles bleues, là. Je suis au fond du sanctuaire du vent, j'ai l'impression que le shit va hit the fan. Parce qu'il y a un long couloir, un checkpoint. Ok. What the fuck? Ouais, il est pas super bien gardé, monsieur le cascarde. Allez, go! C'est parti, j'ai l'impression. Quoique Ishu ne m'a pas dit « T'es sûr que tu veux y aller ?» Ah, si. Showtime. Hein? Regarde la Bahama. On dirait un cristal. Il a la forme d'un fruit. Il doit s'agir du cristal du serpent que cherchait Ushiwaka. Ah mais oui, c'est vrai, le cristal qui me permet d'aller voir Orochi. J'avais complètement oublié. Tu sais, l'objet qui permet de franchir la barrière d'Orochi. Hé hé, c'est notre jour de chance. Ouais, bien sûr, on va nous laisser le prendre comme ça. C'est pour ça qu'il fallait continuer dans le sanctuaire, parce que je me disais, on a purifié le sanctuaire et le village, pourquoi est-ce qu'on s'embête encore à tuer Cascardant? Mais oui, c'est parce qu'il a le... Oh, bonjour. C'est parce qu'il a le cristal. Ce casque écarlate là-bas, ça doit être le fameux Cascardant. Ishun, tu m'épateras toujours. Hé hé, il a pas l'air commode. Prêt à mettre le feu aux poudres, boule de poil? Allez, go! Ok. On va appliquer la technique du je tourne en rond. Hey, qu'est-ce que... Ce sont les orbes du clan Satomi. Elles vont nous protéger? Pas certain. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit très efficace. Hein, quoi que si, ça lui a enlevé un tout petit peu de milieu. Ouch. Ça sert à quelque chose, ce que je suis en train de faire, ou non? Il n'y a pas un peu d'eau pour le rafraîchir, ce cascardon? Voilà. Ah mais oui, non, je suis bête, il faut lui faire un peu de vent. Ça sera tout aussi bien. Hop, je me sauve avant qu'il se reconstruise. Je lui ai déjà enlevé la moitié de sa vie, c'est assez ridicule. S'il est faible comme ça, ça va être vite fait. Je crois que je vais l'éteindre avant qu'il mette le feu partout.
Mais il est parti où? Reviens. Allez, fais tomber la chemise. Voilà. Petit coup de vent sur ta carapace. Et on va te tuer tout tranquillement. Il est déjà en train de se reformer. Non. Oui. Je pense que j'aurai le bonus de vitesse parce que je l'ai tué en moins de 2. Ah, il est pas mort. Ah non, il n'est pas mort du tout. What? Excuse-moi. Hein? Il a le feu derrière? Vite, Ama. Ne le laisse pas s'échapper. En arrière, sa capuce. Je m'en occupe. Vas-y, Susanna. À l'attaque! Papy? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il va se faire découper en rondelles. Ama, vite, ton pinceau. Ya! Prends ça. Et ça. S'il faut faire les 8 têtes, j'aurai pas assez d'encre. Enfin, c'est une queue de scène, donc je dois avoir assez d'encre. Et pour finir, à la façon Susano. Et maintenant, du vent. Merci, j'avais compris. Oui, encore plus de vent. Il a une très bonne prise au vent, Susano apparemment. Et ce n'est pas fini. Ma nouvelle technique secrète, la colère du vent. Ah oui. Ah, il l'a bien découpé quand même. Susano, le finisher ultime. Bon bah, bravo. J'en étais sûr. C'est au-dessus de mes forces. Ah, il va encore douter de lui. Les dieux, les Kami, ils jouent avec moi. N'arrêterez-vous donc jamais de vous moquer de moi? Je sais que vous êtes là. Je vous entends rire de là-haut. Pourquoi dois-je porter le fardeau d'être le descendant d'Izanagi? Oh. Je veux juste échapper à tout ça. Pourquoi poursuivez-vous? Papy, ça va? Maudit soyez-vous! Je ne veux pas de votre aide. Le monde entier peut s'écrouler autour de moi. Je m'en fiche. Assez de ces légendes d'Alanois. Izanagi peut aller au diable. Laissez-moi tranquille. Oh oh. Bon. Qu'est-ce que c'est maintenant? Non. What? Non, non, allez-vous-en. Cette voix? Les uns et les autres? Vous me rendez fou. Arrêtez! Je ne veux pas vous écouter. Partez, laissez-moi en paix. Il a l'air un petit peu troublé, Susano. C'était quoi, Ama? Ben, une tête de serpent? Ça te dit pas quelque chose? Le pauvre Susano, apparemment, il aime pas trop être marionnettisé comme ça. Le chapelet de la vie, ok. Ce chapelet utilise la force de la vie pour purifier le mal. Waouh. Je sais pas si je l'utiliserai parce que les chapelets c'est pas trop mon truc, mais... Oh, pardon, j'interromps quelque chose? C'est pas vrai, encore ce prophète de pacotille. Eh, mais c'est... Ça? C'est le cristal du serpent. Et il est à moi, enfin. T'as un sacré toupet de venir shipper les affaires des autres. On l'a trouvé en premier, il me semble.
hurle-moi. Hélas, cet objet ne vous servirait à rien. J'ai bien peur que je sois le seul à pouvoir l'utiliser. Ouais, c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Vous savez, la barrière mystique, celle qui entoure la cave de la lune, le repère de Roshi. Oui. Hein? Tu m'appelles, petit dragon? Hé, j'arrive. Tout vient à point qui sait attendre. Non, Chiwaka, il va se le faire tout seul. Non. Explique-toi un peu. Pourquoi tu vas au repère de Roshi? Hé. Oups, j'ai failli oublier. Une petite prophétie avant de prendre congé? Je vois. Un rendez-vous charmant avec une jolie fille. Sur ce, prenez soin de vous, mes amis. Rendez-vous charmant avec une jolie fille. Hé, attends une minute. La barrière de la cave de la lune. Qu'est-ce qu'il manigance? Désolé, mais pas le temps d'hurler. Filons d'ici en triple vitesse et fonçons là où tu sais. Ok. Parce que le rendez-vous de la fille, moi je pense que ça doit être la copine de Susano, je sais plus comment elle s'appelle. À mon avis, elle va se faire enlever. Et j'ai été plutôt bon sur ce combat. À mon avis, elle va se faire enlever et c'est ça le rendez-vous dont il parle. Même si ça a pas beaucoup de sens. Mais bon, c'est Uchiwaka, ça a pas beaucoup de sens dans tous les cas. Ça devrait être une devise. Uchiwaka, pas beaucoup de sens, dans tous les cas. Eh ben, on avance bien en tout cas. Oh, vous voilà de retour, mes curieux héros. Lorsque le moulin a recommencé à tourner, j'ai su que c'était vous. Le vent divin est de retour, il est revenu purifier notre bon village. Et c'est grâce à vous, vous avez triomphé de Cascardan. Les guerriers canins eux aussi se réjouissent. Vous avez toute ma gratitude pour cet acte héroïque. J'aimerais moi aussi remercier ces intrépides voyageurs. Et toi aussi, chère Fuse, héritière de la maison Satomi, je te remercie pour ton courage. Hein? Tu connais la petite Fuse? Bien sûr, mon ami. Son époux est le grand prêtre du temple. Mes craintes concernant le village de Kusanagi me retenaient ici. Mais grâce à toi, je peux enfin m'en aller vers l'au-delà. La chère Fuse et ses amis canins ont encore beaucoup à apprendre. Mais ils s'en sortiront sans doute. Je continuerai à veiller sur eux. Adieu. Je prierai pour ton salut, mon ami. Au revoir, monsieur l'Inca Moulin Truc. Il ressemble un peu à un Inca, c'est pour ça. Même si je suis sûr qu'il n'y a aucun rapport. Qu'est-ce qu'il y a, vous deux? Qu'est-ce que vous regardez, donc? Hein? Non, rien. Pas la peine de nous remercier, ma douce. Continue juste à veiller sur le village comme grande prêtresse. Tu auras suffisamment de tracas avec ces vilains cabots. Depuis que le dernier grand prêtre a rendu l'âme, je suis affaibli. Mais je suis maintenant grande prêtresse, et je protégerai le sanctuaire avec mes guerriers canins. Bravo, ça c'est bien dit. Tout à fait. Et 30 points d'expérience pour moi. Allez, on a fini ce qu'on avait à faire ici. La sortie, c'est vers la gauche. Je vais peut-être level up un petit peu tant que j'y pense. Alors, qu'est-ce que je vais level up? J'ai pas trop le choix. Pardon, j'ai pas trop le choix. Je sais pas trop à quoi ça sert d'augmenter la bourse. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de limite. Hop là. Et un point de vie supplémentaire. Ça peut toujours servir, même si pour l'instant j'ai pas trop été à court de vie. Peut-être que quand il parlait de... Peut-être que quand... Je sais déjà plus comment il s'appelle. Le maître Tao, quand il parlait du rendez-vous avec le demoiselle, il parlait peut-être de Fuse au final. Oula, attends, boule de poil. Réfléchissons un peu avant de se précipiter. Ce truc noir avec plein de têtes, c'était vraiment le monstre? Il va falloir se remuer un peu parce que ça s'annonce plutôt mal. Je suis trop jeune pour mourir. Et puis trop beau surtout. J'ai encore plein de techniques du pinceau à apprendre. Quand tu as vu le monstre, t'as même pas montré l'écrou. C'est bien ce monstre que tu as vaincu il y a longtemps, non? Izanagi devait être le plus fort de vous deux, alors. Ou bien c'est ce saké légendaire qui rend fort. Ça doit être le saké. Ama, le saké, il est dans le village, hein? En plus, c'est bientôt le début du fameux festival, non? Allons voir si on peut pas goûter un peu de ce nectar. Ça nous mettra peut-être un coup de fouet. Et puis, j'ai toujours aimé les fêtes.
Si j'arrive à rendre la petite Sakuya saoule, peut-être que... Oh, Ishun, c'est pas très fair-play comme technique. Ah bah, j'ai la pêche là tout d'un coup, allez, en route. Ya vol, mein camarade. La fontaine la plus proche, elle est située dans la province de je sais plus trop quoi, juste à côté. Je passe beaucoup trop de temps à dire je sais plus trop quoi dans ce let's play parce que c'est juste trop compliqué de tout retenir. C'est au-dessus de mes forces. Donc le village a l'air en paix, le sanctuaire est en paix, tout est en paix. Je pense qu'on va pas retourner ici tôt. Donc faites vos adieux à... Faites vos adieux au village de... je sais plus trop quoi. Parce qu'on n'est pas là d'y retourner. Je vais peut-être équiper mon nouveau truc de la vie. Chapelet de vie. Histoire de voir si... Jugement éternel, je vais le mettre en secondaire. Histoire de voir si les chapelets c'est vraiment mauvais ou si c'est juste parce que j'en avais pas un bon. Mais ça m'a l'air plutôt mauvais quand même, parce que ça attaque vite, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est un peu le soy milk de Okami. Ah, je devrais pas faire des références à Isaac dans mon let's play sur Okami, parce que peut-être qu'il y a des gens qui regardent que Okami, qui sait. Elle est là, la source. Oh, et elle pleure encore, la dame. Pourquoi elle pleure? Si tu jettes une pièce de sirène, ok. Je sais pas trop pourquoi elle pleure, mais... Peu importe, je m'en fous à la limite. Ben, j'ai bientôt plus de pièces de sirène. Ouf. Donc au final, ça sert à rien que j'aille dans la... Ah non, pas forêt d'Agatha, pleine de Shinshu, c'est bien. Ça sert à rien que j'aille la cave de la lune tout de suite, en fait. Parce que sinon, je vais me faire bouffer par Orochi si j'ai pas le saké. Ah, donc je vais aller chercher le saké. Ah, on dirait qu'il va pleuvoir d'un moment à l'autre. J'ai l'impression qu'il va y avoir un orage. Un orage du mal. C'est pas le village, c'est là-bas. Ouais, j'espère que le petit garçon va pas mourir de sa flèche. Comme la prophétie le prédit, parce que sinon ça va jeter un froid sur le festival. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est la pleine lune. Alors ça, c'est ce que j'appelle une pleine lune. Au fait, le festival de Kami qui ne se déroule pas un jour de pleine lune. Oh non, ils vont boire tout le saké si l'on ne se presse pas. Il faut faire vite, Ama. Le destin du monde est sur les épaules de gens qui ne doivent pas se bourrer la gueule. Ok. Ah, pourquoi tout le monde est malheureux? Déjà. Je viens à peine d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Oula, pourquoi tout le monde est rassemblé chez Susano? Susano, sors tout de suite, tu m'entends? Tu as intérêt à t'expliquer. Pourquoi as-tu bu tout le saké en offrant à Konohana? Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Susano a fait quoi? Susano, viens nous parler. Nous ne sommes pas en colère. Tu dois avoir tes raisons pour avoir bu tout le saké des 8 purifications. Quoi? Il a bu tout le saké des 8 purifications? Je me fiche bien de ce saké. J'avais soif. Et puis c'est tout. C'était pas une vulgaire piquette, mais le saké sacré de notre festival. C'est le 100e anniversaire de la victoire d'Izanagi et de Shiranui. Nous sommes bénis par une glorieuse nuit de pleine lune. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Explique-toi! Laissez-moi tranquille. Je me fiche d'Izanagi et de son sac à bus. Je suis Susano, le plus grand guerrier du Nippon. Le saké, il n'en reste plus une seule goutte. Susano est revenu au village complètement dingo.
C'est quoi ce glitch là? Pourquoi il y a une libellule en plein dans mon écran? Il a bu tout le saké sacré, puis s'est enfermé chez lui. Tout le saké de Kushinada, et il n'y a plus rien. C'est son foie qui va en prendre un coup. Pourquoi il a fait ça? C'est complètement absurde. Je veux dire, c'est grâce au saké des 8 purifications que Orochi a été vaincu. C'était pas le moment de faire ça. Bah tant pis, on peut le battre sans le saké. Faisons ça. Le terrible Orochi. Tout est de ma faute. Je suis le seul coupable de tous ces malheurs. Tu as 100 fois raison, ivrogne. Comment peut-on célébrer notre festival sans le saké sacré? C'est moi l'auteur de ce crime dans la cave de la lune. C'est moi qui ai ressuscité Orochi. C'est moi qui ai semé la destruction sur ces terres. Non. De quoi? Qu'est-ce qu'ils disent, Grand Higo? Assez du descendant d'Izanagi. Le descendant d'Izanagi. J'ai retiré l'épée de Tsukuyomi pour prouver que ce n'était qu'un mensonge. Hélas, la légende était vraie. C'est moi qui ai relâché cette terrible malédiction qui consume tout le Nippon. Quoi? C'est de la folie! C'est toi qui as retiré l'épée sacrée qui retenait le prisonnier Orochi? J'avais tellement peur que je me suis enfui au village. Puis, j'ai bloqué l'entrée avec un énorme rocher. Je me suis caché dans ma cave. Je me suis échappé où je pouvais. Mais les dieux ne me laissaient jamais en paix. Ils m'ont dit que jamais ils ne me pardonneraient. Tant que je n'aurais pas tué Orochi de mes propres mains. Je savais que Tsukuyomi avait été retiré et que la cave de la lune avait disparu, mais si Susanoo dit la vérité, alors Orochi devra réclamer son sacrifice. Oh god. Non. Oh non. Non, attention. Pas sur l'enfant. Non, 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 pas sur le enfant. Oui, vas-y le chien, sauve-le. What the hell? Ah, c'est le chien qui va se sacrifier. Ah non, il a vraiment réussi à le sauver. Bien joué le chien. Il me semblait bien que... Ah, c'est sur la maison de... Forcément. Il me semblait bien que j'avais déduit que c'était Susanoo qui avait chopé l'épée au tout début du jeu. Enfin, c'est pas trop dur à deviner, mais il me semble que je vous en avais parlé. Enfin bref. Le soir de la pleine lune, le serpent à 8 têtes apparaîtra. Et la flèche maudite jaillira pour nommer la jeune fille à sacrifier. C'est exactement comme la légende. Si la jeune fille n'est pas offerte en sacrifice, tout le village et ses habitants seront dévorés. À moins que... Susanoo, je sais que tu n'es pas un lâche. Si les dieux te disent de combattre, tu es le seul qui puisse le faire. Tu en es capable. Tu m'as déjà sauvé une fois. Tu te rappelles? Susanoo, je crois en toi. Mais va lui dire en face. Je sais que tu viendras de nouveau me sauver. Kushinada, tu ne penses pas.
Super le festival. C'est déjà changé? Le saké de la tempête. Le légendaire Izanagi a enivré Orochi puis l'a vaincu. Ce saké est ma vie. Je suis sûr que même Orochi n'y résistera pas. Oui, il pourrait le faire. Non, Kushinada. Elle va quand même pas affronter Orochi à elle toute seule. Ouais. La cote est pas clairement en sa faveur. Non, non. Kushinada, attends. Ok, bon ben, super épisode. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. L'histoire est en train de s'accélérer, j'ai l'impression qu'on est au tournant du jeu. La prochaine fois, on ira sauver Kushinada, combattre Orochi, peut-être, et je pense que Susano nous filera un coup de main. On verra si la technique du saké de la tempête porte ses fruits. Voilà. Et ben, dans cet épisode, on a vécu pas mal de choses. On a combattu un boss, et on a le nouveau qui se présente tout de suite derrière. C'est bien, c'est bien. Je suis très content, très satisfait. Sauvegarde réussie, et on va se laisser là-dessus, sur cette lugubre nuit de pleine lune, avec une constellation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne journée. Salut !